Bonsoir à tout le monde. Je sais que pour certains d'entre vous, les vidéos que je fais, c'est un divertissement. Les bonnets sont disponibles. Il y en a avec des traits noirs. Vous savez que je vends moi mes choses. Avec des courriers comme ça, je vends à 25 000 francs CFA. Tu ne veux pas, tu laisses. On peut poster. Vous m'entendez pas? Prenez vos cahiers, vous notez. Si vous m'entendez, au moins ça va, hein, parce que je ne vais pas crier. Il est presque 23 heures. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et je suis en train de m'entendre. Je m'entends bien. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Donc par cette vidéo ce soir, je suis là pour donner le droit à quelqu'un de prospérer. J'ai rencontré, parlé avec un ami l'autre jour. Il était tellement content. On peut envoyer à Abidjan. Je serai à Abidjan en mi-juillet. Je vais venir en juin, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, mi-juillet, je suis à Abidjan. Donc, dès que le 5 passe là, je vais venir. Donc, vous commandez. Quand je viens, je vous apporte ça. Prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Donc cet ami dont je vous parle, il s'étonnait en fait. Il me disait, voilà, je suis fier de toi, là, 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 voilà. Et là, je lui demande, toi, tu attends quoi pour réaliser? Parce qu'on s'était rencontrés en France il y a cela 5 ans. Il m'a parlé de ses rêves, je lui ai parlé des miens. On était tous les deux dans la galère. 5 ans plus tard, je le vois, donc on se parle au téléphone. Je lui demande, qu'en est-il des tiens? Bon. Vous allez arriver à un moment de votre vie où vous serez tenté d'écouter les gens qui sont autour de vous. Parce que croyez-moi, ils vont vouloir donner leur opinion sur votre vie. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont vouloir vous donner leur opinion, ils vont vouloir vous dire ce qu'ils pensent, ils vont vouloir venir vous dire que je pense que tu dois faire comme ça. Je ne trouve pas que tu es trop dur. Tu ne trouves pas que ceci ou cela. Ils vont venir te donner leur opinion. Et si tu ne fais pas attention, en fait, ne cherche même pas à le test que tu as avec quelqu'un. Ton test, ce sont les résultats de la personne. Si la personne n'a pas les résultats, hein, vous n'avez rien à vous dire. Je sais que mes anciens amis vont me regarder aujourd'hui. Arrive un niveau de ta vie où tu décides que je dois aller dans ma prochaine dimension. Tu n'as plus besoin de bavarder. La réussite ne fait pas le boucan.
Et quand ça ne fait pas le boucan, on te trouve. Et quand on te trouve, on n'arrive même pas à t'avoir. Vous savez, je suis aussi ferme sur la prospérité parce que j'ai longtemps prêché la parole. J'ai longtemps prêché aux gens. Et j'ai longtemps été pauvre. On se moquait de moi. On se moquait pas un peu, hein. On se moquait copieusement de moi. On disait que j'étais Jack of all trades. Je faisais dans tout. Donc même comme en étant à l'argent, je fais dans tout. Je faisais dans tout depuis. Et je suis arrivé à un niveau où mon âme a crié. My soul was like, I'm getting out of here. Pour moi, la maîtrise ultime, c'est la maîtrise de comment prospérer. Donc même si tu cherches à acquérir n'importe quoi dans ta vie, acquiers le savoir-faire de l'argent. Et ce qui vous dérange, c'est que vous êtes très distrait. N'importe qui peut venir parler dans votre vie, vous vous découragez. Tu as un chagrin d'amour, tu laisses, ça t'arrête. On parle mal de toi, tu laisses, ça t'arrête. En fait, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ma part, mon grand blocage dans le passé, c'était mes chagrins d'amour. Le goumen là. Quand j'attrapais goumen, ciao. C'est comme si mon cœur se fendait. J'ai ressenti que. À un moment, il dit qu'il m'attend un peu. Goumen pauvre, goumen riche, ça va être différent. Parce que parfois, quand tu pleures le mal de cœur, et que la personne est partie étonnante, tu sais que non, bon, la maison, même, c'est la personne qui payait. C'est la personne qui payait. La nourriture des enfants, c'est la personne qui donnait. Quand la personne se lève et dit que c'est fini, moi, tu lis le. Tu lis le. Parce que tu n'as pas de devant derrière. Donc parfois quand tu pleures le mal de cœur, non, non, ma chérie. Tu ne pleures pas parce que tu les mets chaud. Tu pleures parce que tu vois toute la souffrance que tu vas encore te taper. Et parce que tu n'es plus sûr de ton futur. Pleurer en étant dans un appartement de 1 million de mois. Et pleurer dans une chambre de 20 000. Les larmes là tombent différemment. J'ai lu votre situation, docteur Fessal, parce que j'ai traversé ça. Ah. Savoir que tu pleures et tu sais que demain, je ne réfléchis pas pour manger. Et savoir que tu pleures et demain, tu vas faire un coup de tapioca, pain chargé. On part alors chez le voisin manger. C'est deux choses totalement différentes. Parce que dans un cas, tu te sens puissante, malgré le chagrin d'amour. Et dans l'autre cas, au chagrin d'amour, ça joue de l'embrouille, le manque de direction. Donne un jour l'argent à ton gars, tu vas voir comment il va réagir. J'avais remarqué dans mes relations que, en fait, les gens avec lesquels j'étais, ils aimaient l'argent plus que moi. Pas parce que c'est moi qui donnais. Madame, ton gars qui dit qu'il t'aime là, c'est parce qu'il y a l'argent. Attends, demain il chute un peu. Attends un peu qu'il reste comme ça là. Un mois il ne voit pas l'argent. Deux mois il ne voit pas l'argent. Trois mois. Toi-même tu ne vois pas l'argent.
Vous devez quitter de votre maison pour aller dans une maison moins chère, peut-être même le tiers de ce salaire, de ce loyer. Va commencer à devenir grincheux. Comment ça, t'es grincheux? C'est fâché. C'est dans le manque que tu vois le vrai visage de quelqu'un. Et beaucoup d'entre vos gars, même vous les filles, j'ai constaté avec un monsieur aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que les hommes souffrent. On parlait de l'exploitation des hommes par les femmes. C'est là qu'il disait qu'il y a les hommes qui achètent seulement la paix avec leur femme. Donc il vit avec sa femme 20 ans de mariage. Il sait que la femme-ci. Et il m'a encore sorti une totale. Mais il y a des gens qui partent chez le marabout. Pas pour devenir riche, mais pour avoir et contrôler un homme qui est riche. J'ai dit, what? Il dit, mais oui. Aller chercher l'argent, c'est trop fatigant. Contrôler quelqu'un qui cherche et qui a l'argent. Tant qu'on ne t'a pas maîtrisé, tu ne peux pas comprendre. Tant qu'on ne t'a pas contrôlé, ce qu'il dit là, tu ne peux pas comprendre. Tant qu'on n'est pas venu te tenir par là, par je ne sais quoi, tu ne peux pas comprendre. La personne, c'est que je veux ça. Ma mère a besoin de... Bien, tu donnes. Oh, mon petit frère a besoin de... Il faut faire les papiers de ma soeur. Oh, je veux aller à Dubaï. Oh. Mais c'est trop facile. Tu vas visiter la belle famille. Tu sors, on rit. Eh, le beau des beaux, le beau des beaux, et le beau des beaux, et le beau des beaux. Tu crois que les gens t'aiment? Tu crois que les gens t'aiment? Bonsoir la reine Rolande. Tu crois que les gens la t'aiment? Donne-nous les like you. Hein. Donne-nous les like you. Ils aiment ton argent. Les gens là aiment ton argent. TikTok, ça bug trop. Facebook, je sais pas comment vous allez faire. Bonsoir, Wisdom Cosmétique. Affrontez la réalité de votre vie, je vous en prie. On dit que le gars, là, il est trop gentil. Et c'est là que je me suis dit, waouh. Vous savez ce que c'est que, dans, psychologiquement, pour un homme, d'être avec une famille, c'est que c'est parce que je fais les choses à la femme, c'est qu'elle m'aime. Il y a beaucoup de personnes dans le mariage comme ça. Beaucoup de personnes dans le mariage. Beaucoup d'hommes. Il sait que la femme, si. Imagine le matin, elle est grincheuse. Tu n'as pas fait ça. Sors 500, mais tu donnes. C'est dommage, hein? Je trouve que c'est dommage. Tu achètes ta paix, en fait. Tu achètes ta paix. Tant que tu donnes. Ah donc, les hommes aiment ça. Hein? Les hommes eux-mêmes, ils aiment ça. Hein? Hein, Onis. Pourquoi quand les femmes viennent demander le sujet de prière, elles veulent toujours les hommes riches. Elles ne veulent pas être riches elles-mêmes. Allons partager mon direct. Non, les hommes aiment la paix. Même les femmes, il y a les femmes qui ont l'argent aiment la paix. Elles aiment la paix. Ida, tu dis que ta dignité de femme, elle s'en fout. Elle s'en fout. Et
C'est un peu dommage, mais quand tu atteins un certain statut financier, est-ce que les femmes riches sont heureuses en amour? Je parle exactement de ça maintenant. Il y a certaines femmes que quand elles atteignent un certain statut financier, elles se retrouvent comme les hommes. Si l'homme peut payer l'amour de la femme, il a sa paix. La femme arrive à un niveau où elle-même est payée aussi. Kohora. Oui. Voilà. Tu as beaucoup supplié, maintenant tu es parti. Là, c'est le roi Marcel qui parle. Il y a aussi les femmes qui vivent avec un homme. C'est elle qui fait tout. Elle finance tout. Elle achète sa paix. Elle fait ses enfants. Maintenant, je veux ce soir vous mettre un choix à faire. Vous me suivez bien. Vous devez choisir. Les hommes ne supportent pas ça. Mais en tant qu'homme, commence à voir que la femme t'aime. Commence à voir qu'elle ne t'aime pas pour l'argent. Et parfois même, la plupart du temps, elle te manipule. Elles vont chez les marabouts, elles prennent des potions, elles te donnent, tu manges ton torbassi. Donc quand tu vois un homme qui a l'argent et qui est toujours attaché, généralement ces femmes-là, elles ont pratiqué sur ces hommes-là. Elles lancent l'autre chez toi. Elle vient, je dois préparer pour la première fois, elle met dans la nature. Te voilà. Pareil pour les femmes. Ça devient même dangereux quand une femme commence à avoir l'argent. Ça devient dangereux. Parce que pour trouver un homme qui a aussi l'argent qui veut être avec toi, aïe. Je ne vais pas me perdre dans les émotions ce soir. Je veux vraiment vous recadrer. Vous me suivez? Je veux recadrer tes idées. Mieux de devenir riche avec ton homme. Ma chérie, je peux te dire que 80% de cas, c'est impossible de devenir riche avec ton homme. Bonsoir à la reine Renée. La richesse demande la discipline. La richesse demande de constamment se réinventer et se questionner. Chose que c'est rare que les deux partenaires veuillent faire en même temps. Chérie, les femmes n'ont pas fait le sport. À partir de demain, on va à la salle de sport. Un d'entre vous deux sera plus discipliné que l'autre. Il va partir faire. L'autre va commencer à dire, oh, j'ai pas envie de partir. L'autre là qui est le plus discipliné, il a la niaque. Très souvent, c'est comme ça. Votre niaque se fait arrêter dans les relations. Et si on vous demande d'être seul, être célibataire, et ne pas avoir un petit gars ou une petite go, c'est deux choses différentes. Célibataire, ça veut dire que tu n'as personne qu'officiellement tu dis que voici ma femme, ma future femme, ma fiancée. That's what you call célibate. Il n'y a personne de stable et de constant à côté de toi, à tes côtés. Et ce n'est même pas n'importe qui a le droit de monter à tes côtés. C'est la place la plus importante de ta vie. Tu as bien dit, parfois tu es en couple, tu es seul. C'est la place la plus importante de ta vie. C'est lui qui met le sperme dans toi. Sperme, c'est énergie. Ou bien c'est dans elle que tu mets ton énergie. Soit tu reçois, soit tu donnes.
Peu importe les cas, les deux cas, il y a échange d'énergie, échange de chance. Ceux qui veulent, vous pouvez prendre une consultation avec moi, je vous montre comment canaliser ton énergie sexuelle. Et comment ne pas laisser qu'on prenne ton aura pendant que tu fais l'amour. Je crois que c'est une astuce qu'il avait donné tu demandes la consultation seulement. Consultation, comment garder son aura. C'est vrai que certains hommes, ils n'ont pas de rien faire. Moi, je suis en couple, mais seul. Mastabi, ne précipite pas les choses. J'arrive. I'm coming. La fleur Jenny, il te bouffe ton énergie, non? Tu es encastré dans le gars là. You are embedded in the man. Tu es ancré. Vous savez comment c'est difficile de sortir des relations? Parfois tu es dans la relation, mais tu sais que ça te tue. Tu es là, tu dis, tue-moi encore. Fais-moi câlin. Tue-moi encore. Tu meurs à petit feu. Les maladies qu'on n'avait jamais entendues sur ton corps. Tu commences avec la personne. 6 mois plus tard, on m'a dit, madame, à l'hôpital, on dit, madame, faites attention. Et tu sais que c'est ta personne qui te donne ça. Pas parce qu'il est contaminé. Peut-être la tension. Peut-être la tension. Tu sais que tu es en train de mourir. Oh, house of glamour. Tu as bien dit que tu ne fais qu'accoucher. L'autre là, l'autre. Tu veux partir, mais tu restes. Tu veux partir, mais tu restes. Tu te décides de partir, tu portes même tes choses, tu mets devant la porte. Mais tu restes. La prison de ça. On t'a mis 4 cadenas sur le cou, ma chérie. Partir, c'est une grâce. C'est pas n'importe qui a la force de partir. Voilà, ça t'a pris 5 ans. 5 ans. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Ma reine, je ne peux pas dire que je suis en couple quand mon copain ne me dit rien de bon concernant notre relation. Je cherche à quitter notre relation, mais je n'y parviens pas. Vous voilà. Attaché. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes encore. Et je vous dis, quand vous écoutez mes vidéos, quelque chose en toi se lève. Ça dit que fais. Ça dit que fais. Ça dit que fais. Je dis, je vais faire. Tu te couches, tu dors. Le lendemain, tu peux préparer la nourriture, vous mangez. Ma chérie, si tu meurs, tu sais ce qu'on va faire. On va t'enterrer, on va manger, on va continuer la vie. Tes rêves seront partis. Tes rêves seront partis. On fait comment lorsqu'on est déjà marié? Rosine, on divorce. Je vais être cash avec vous. On divorce. C'est pas pour rien que le blanc a mis le mariage et le blanc a mis le divorce. Faut arrêter. Vos affaires qu'on dit qu'on va persévérer, attendre. Tu persévères, te tues. Antoinette, arrête avec tes fourmillements. Hein. J'en ai rien à foutre de tes fourmillements. J'en ai absolument rien à foutre. Je m'en tape. Ok? Voilà. Là, mais direct, tu parles de ce qu'elle veut. Ça ne te plaît pas, tu pars. Tu es marié depuis 15 ans. Tu ne l'aimes plus. Tu sais ce qui se passe, ma chérie? Tu es déjà avancé. Ton énergie est à devant. Tu es comme le car qui part. Tu es parti. Tu es parti. La volonté d'avancer est rare. Et la société fait l'effort d'endormir les gens. Beaucoup d'entre vous, vos maris, ne m'écoutent pas, non? Vous m'écoutez seul. J'ai une vitesse de vibration très élevée.
Je vibre comme ça. L'homme normal vibre comme ça. Woum, 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 woum. Ma parole, c'est un autre degré. Quand tu m'écoutes, tu vas vouloir te lever pour faire quelque chose. Te voilà. Tu écoutes ton énergie, tu veux sortir, tu veux faire. Il te dit, tu pars où? Hein, tu es où? Tu pars où? Tu pars où? Oh Damra, je suis là, chaud. Tu pars où? Assois-toi, tu viens de ta bouche. Te voilà, tu t'assois gauche, calmement. Calmement. Mais ta vie, si j'ai vraiment changé ta vie, c'est super. On change nos vies ensemble. Je monte en niveau tous les 2-3 mois, je change de niveau. I'm leveling up every day. On arrive là-bas. Tant que tu cries que tu pars, tu ne partiras jamais. C'est quand tu agis sans bavarder. Merci beaucoup, Blandine. Oh, tu connais. On sent une fille qui a quitté. Tu as quitté une maison. Ma chérie. Tu dois te surprendre, tu dois te choquer. Tu dois te choquer. Tu sais que tu as depuis 6 mois, tu as dit 10 fois que tu partais. Tu n'es jamais parti, non. Va chercher la maison. Ou bien, lève-toi un jour comme cela. Touche, tout. Tu as mis tes choses dans la voiture, parce que tu es en route en train d'aller déposer chez ta soeur. Ne planifie pas. Parce que c'est comme s'il y a même ses propres démons qui sont là pour t'intercepter. Le jour là, tu as rencontré un ancien de... Ah, tu es encore avec Benjamin? Oh, vous étiez tellement beau à l'époque. Oh, vous êtes un beau couple. Oh. Ton ami là ne connaît pas là où tu pars. Il ne connaît pas tes projets. Il ne connaît pas tes désirs. On sort avant de savoir là où on va dormir. La maladie ne t'a jamais calé, ma chérie. Tu as choisi de te laisser caler par la maladie. Quand on veut partir, on ne planifie pas, mamie. Et sache que comme tu es parti, le lien d'âme qui est entre vous là, c'est fort. Mamie, la fait qu'on dit que corps à corps là, vous faites. Parce que quand tu vis avec un homme, vous ne vous protégez pas, non. N'est-ce pas? Le lien d'âme de ça, hein? Le lien d'âme de ça, tu sors. La personne là est dans ta peau. He is under your skin. He is under your skin. C'est comme ça que tu t'embrouilles même souvent. Je veux partir, je ne veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Tu dis non, je vais te quitter. Après, tu restes encore toi-même comme ça là. Ouais, il faut que je patiente. Ouais, c'est une bonne personne. Hein. Ouais, il faut que je... 5 minutes plus tard. Non, je dois partir. Il faut que je parte d'ici. Il faut que je parte d'abord. Il faut que... Ah, tu as fait les kits. Hein. Je me rappelle la période où tu avais reçu les kits. Pourquoi tu as... Avant que tu commandes d'abord ça, tu devais aller quelque part envoyer l'argent. C'était difficile pour toi pour recevoir. Oui. Je crois que toi, tu avais fait les kits. C'est ça qui t'a donné un peu la force. Tu fais ça, ça enlève les énergies sur toi. Chacun a cette... Écoutez, certains de vos hommes-là sont les gros sorciers. Avec leurs esprits dominateurs, là. Même s'il est plus jeune que toi, hein, il a un esprit fort. Fort. Tu restes comme ça là. Il te domine, il te dompte. Tu peux être parti depuis 5 ans, mais tu n'es pas encore détaché, hein, ma chérie. Ce sont des rites. Là, je me rappelle le mois passé, j'ai fait les rituels pour couper les cordes. Si d'ailleurs vous avez demandé et que je n'ai pas fait pour vous. Rappelez, le rituel pour couper les cordes maléfiques là,
les attaches d'âme et tout ça, c'était 10 600 francs. 10 600. Il y a une qui m'a dit que maman, que depuis le réveil de mon ex, maintenant elle ne rêve plus de lui. Depuis que tu as fait le rite là. Ce n'est pas la blague. Donc tu fais le rite, tu fais ton lavage à distance, tu prends les kits, tu fais. Ça fait que parfois, vous n'êtes même plus dans la même ville. Tu vois, ton esprit fait que partir, c'est bizarre. Tu vois un truc, ça te le rappelle. Tu vois un truc, ah oui, oh, c'est ça. C'est comme ça. Oui, on livre en Allemagne par DHL. Et je rappelle que c'est possible que DHL vous demande de l'argent de la douane. Le plus gros montant qu'ils aient demandé en France, c'était 31 euros. Parfois c'est 2 euros, parfois c'est 4 euros, parfois 8. Première étape, tu dois savoir ce que tu veux. Où est-ce que tu veux aller? Tu dois aussi savoir ce que tu ne veux plus dans ta vie. Parfois, dans ces relations, on te traite comme la merde. Mais tu ne te rends pas compte qu'on te traite comme de la merde. Tu ne sais pas. Et tu utilises. Tu es là, tu fais. Vous faites les problèmes. Elle t'appelle après. Ouais, ben envoie-moi les 200 000 là, non. Moi, je suis fâché, tu me demandes l'argent. Il te dit qu'on n'a pas encore résolu. Viens, on s'assoit, on parle. C'est que ma cotisation, c'est demain, non. Les voilà. On ne peut pas rater ma cotisation. Parce que tu es contrôlé. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus. Et je pense qu'une analyse financière, une introspection financière est nécessaire d'abord. Même en sachant ce que tu veux, ton premier je veux, ça ne doit pas être sur l'homme, que je veux un homme comme ça, Je veux l'argent. Écrivez cela, je veux l'argent. Écrivez. Parce que parfois tu te focalises tellement sur la personne que tu t'oublies. Tu t'oublies. Ah, il veut encore 3 enfants. Oh, mesdames, si vous saviez la pression qu'on subit parfois. Tu as peut-être fait 3 enfants, il veut encore 3. Est-ce que vous savez le traumatisme mental que les femmes subissent quand elles traversent la grossesse? Tu es en train de chaque jour te dire, ah, et si elle meurt, et si elle meurt? Lui, là, il n'a pas de problème. S'il avait en tout cas la mère et l'enfant, lui n'est pas concerné. Tu as vu un homme qui meurt parce que tu es en train d'accoucher. Tu as vu une maladie attraper un homme parce que sa femme est enceinte. C'est toute la femme qui souffre. Si tu n'appelles pas l'argent par son nom, si tu ne désires pas l'argent, ma chérie, tu vas tomber tout dans les fables qui n'ont pas de sens. Tu vas tomber dans les fables qui n'ont pas de sens. Voilà, tu as subi une prise de poids de 30 kilos. Dépression, stress. Marianne, pardon, écris-moi. Please, take my number. We got so many things to talk about. If it's you, if it's my Marianne that I know, my crazy friend, if it's you, tu es la seule personne de mon passé qui peut prendre dans ma vie encore. Une folle qui s'assume, mon frère. Une folle qui s'assume, hein. Hey, la maman de Cédric. Ah, c'est toi. Tu savais?
Pardon, prends mon numéro, c'est dans ma bio sur TikTok. Une folle qui assumait sa folie, mon frère. Non. Attends. No, we need to link up again. Right now, I'm teaching. Je suis en train de pointer Marianne. Toi-même, tu me connais, non? I am pointing the money. I am pointing the money. Toi, si là, tu es l'une des premières femmes qui m'a encouragée quand j'étais encore. Parce que quand on s'est connu, tu étais un peu mûre. Moi, j'étais très jeune. Par rapport à toi. Ce qui fait que j'étais encore trop. C'est un peu temps. Elle m'a aidé à sortir de mon premier goumen. Oh Seigneur, Marianne, Marianne, laisse, je sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Laisse ça va, mamie. Oh, Dieu fait les choses. Premier goumen de 23 ans là, c'est elle qui m'a enlevé dedans. J'avais 23 ans. Elle là, comme ça là, tu lui fais quelque chose à 14 heures. À 17 ans, elle a fait son shopping. Qu'elle a rentré, elle m'avait 5000 pounds de shopping. Qu'elle a. Elle dit que, pardon, quittez avec ces bêtises-là. Ce soir, elle est en boîte. J'arrivais pas à comprendre comment on ne peut pas manipuler le cœur de la femme-ci. C'est aujourd'hui qu'elle te comprend. Aujourd'hui, elle te comprend jusqu'à le feu sort. Laisse, mamie. Ha. Hey! Non, 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 non. This life, eh. Non, Marianne, Marianne, je ne peux pas vous mentir. La femme, ça a changé ma vie. Vous ne pouvez pas savoir. Seule, abandonnée. Seule comme ça, là. J'avais encore un bébé de quel âge? Ma fille avait peut-être 7 mois à l'époque. 7 mois. Imagine. 7 mois. Ma fille a 14 ans aujourd'hui. Non, non, non. Pardon, laissez. Elle me parle. Elle me parle. Elle dit que non, laisse-toi si tu peux faire ça. J'ai regardé ce mot comme ça, donc j'étais, vous ne pouvez pas savoir. Non, Lulu, tu dis une bonne personne comme ça, tu ne peux pas savoir à quel degré. Elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Yeah. Vraiment. Vous savez, on dit tout que ce que tu as reçu, il faut donner. Et ce n'était pas une Camerounaise. Parce que les Camerounaises, je ne sais pas pourquoi les Camerounaises. Et maintenant, c'est pour ça que je mets cette énergie en ligne pour les gens. Parce que je me suis rendu compte qu'une Camerounaise peut te voir souffrir. Elle ne t'aide pas. Elle ne te dit pas la vérité. Elle te voit peut-être une petite fille. Quand elle te voit ton comportement, elle sait que tu ne connais pas ce que tu fais. Tu es au Radisson Blue. Tu es en cuisine. Je ne voulais pas dire là où je suis. Oui, je suis au Radisson Blue, c'est ça. Tu es en cuisine, hein, Jessica. C'est toi qui as décroché tout à l'heure, là. Ok, demain tu vas me faire un truc à manger alors. Tu es à la cuisine, tu es en train de regarder mon direct. Je vous ai dit, allez travailler. Vous avez suivi, non? On a donné les cœurs de Marianne. Aïe! Ah, yeah. Laissez seulement. Et c'est fou que quelque chose qu'elle m'a appris depuis 12, 13 ans, jusqu'aujourd'hui, je suis encore en train d'enseigner ça aux gens. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore en train d'enseigner ça aux gens. Parce que quand tu as la capacité de retourner tes pensées, quand tu as la capacité, c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, c'était mon premier goumen, on ne m'avait jamais fait ça. J'avais laissé tout, j'ai laissé l'école, j'ai laissé ma famille. Je suis venue, je suis tombée enceinte. Et puis, bien, on me jette au carrefour. Je suis resté en Angleterre comme ça, là. Et même quand j'étais avec la fin de la relation, elle m'ouvrait beaucoup les yeux. Elle me dit, faut être sage, hein. Il disait que, oh, une femme au foyer doit être comme ça, là. Elle dit que... Et mon Joe, là, me disait toujours que, il faut pas écouter une femme qui est célibataire. Vous connaissez déjà, donc. Marianne est venue pour le direct, c'est à tourner. Faut pas écouter les femmes célibataires. Elle va te transformer comme elle. C'est ça. C'est ça. Laissez-moi savoir comme ça là. J'ai traversé les choses.
Ah, on ne conseille pas une femme amoureuse. Mais je vous en prie, conseillez-les. Conseillez-les. Parfois, une femme parfois peut croire qu'elle est amoureuse d'un homme parce qu'elle ne sait pas. Tu bosses demain soir. Hein? Oui, demain, je suis encore là. Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Oui, elle a eu des problèmes avec mon gars après parce qu'elle me conseillait trop. Oui. Et tu sais, même si la femme va aller avec son gars après, elle dit que ah, c'est elle là qui me conseillait mal pour que je te quitte. Hein. Même si c'est dans 10 ans, cette femme va rester, va dire, celle-ci me disait la vérité. Parce que quand tu es encore envoûté par un homme, hein, j'ai dit bien le mot envoûté. Parce que j'ai l'impression que on s'envoûte nous-mêmes. Parfois, tu tombes dans un rêve par rapport à un homme. Tu fabriques ton histoire dans ta tête. Pendant l'acte sexuel, tu ouvres la bouche, tu fais tes incantations toi-même. Je serai toujours avec toi. Je t'aimerai pour la vie. Je serai toujours ta femme. Tu n'as pas remarqué que pendant l'acte sexuel, l'homme ne parle pas beaucoup. Parle alors. Tu pars, tu t'envoûtes toute seule. Tu t'attaches encore seule. Tu finis, tu attaches bien le cadenas. Et quand tu parles, il ne parle pas. Très peu d'hommes parlent pendant l'acte sexuel. Très peu. Parce que la femme est tellement spirituelle. La femme a une dimension de choses. Elle a un truc en elle. C'est un tourbillon. Ce qui fait que quand elle met son cœur dans quelque chose, elle met avec passion. Elle met le feu sur ça. C'est pour ça que l'homme peut, il peut carrément gérer deux, trois femmes. Parce que quand il vient faire seulement son coup, tac, 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 tu t'affoles, tu parles, tu parles, tu parles, tu finis. Oh, je t'aime, je vais toujours t'aimer. Gna, 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 gna. Tu t'es attaché, ma chérie. Donc, profitons-en. Répétez après moi. J'annule. J'annule. Toute parole que j'ai dite pendant un acte sexuel, c'est même les noms qui reviennent à ta tête, tu dis, qui m'a attaché. Je me détache de cette personne. Je brise toute alliance que j'ai tissée par mes mots, mes actes ou encore mes pensées vis-à-vis de cette personne ou ces personnes. Et parfois, tu es là comme ça que tu as mis les attaches avec quatre hommes. Tu vas avancer, tu n'arrives pas. Tu vas avancer, tu n'arrives pas. Solène dit que c'est toi, c'est toujours toi qui dis que bébé, tu es mon tout. Hein. Il n'est pas ton donne-moi tout, hein. Il est ton tout. Voilà, tu t'es attaché, vous. Oh, tu es mon tout, oh, tu es mon soleil, oh, oh mon bébé. Oh, oh il n'y a que toi, oh. Et pour que ce que vous entendez dit la marche, tu dois vraiment mettre la passion et la force dedans. Parce que pendant l'acte sexuel, mamie, tout ton chakra est ouvert. Le bas là est ouvert. Le cœur est ouvert. Et une énergie. Donc en disant ceci, tu peux répéter plusieurs fois vraiment avec. Mets ton cœur. Si tu mets, tu peux, généralement, si tu visualises, tu peux voir, imagine peut-être comme si quelque chose qui dit ça s'ouvre. Et là, tu dis, je relâche. Et en relâchant ou en coupant, tu vois, imagine comment tu libères quelque chose, ça sort de ton corps. Genre, comme si tu expires quelque chose. Pour certaines, vous pouvez écrire sur le papier. Tu écris tous les noms. Tu lis à voix haute, même deux ou trois fois. Tu brûles. Tu dis que comme je brûle comme ça, je coupe. Je t'assure, si tu fais ça, tu vas sentir comment ton corps, il y a des trucs sur ton corps qui sont en train de quitter. Tu vas sentir quelque chose sur ton corps.
Et je vous dis encore, notre focus, c'est l'argent. Écoutez, j'ai dit que notre focus, c'est quoi? L'argent. J'ai dit que c'est quoi? L'argent. Même en boitant, je me concentre sur l'argent. En pleurant, Tu as vu l'enfant que tu le nourris, il pleure, mais il mange toujours. Hein? Oui, on pleure mais on avance. On a mal mais on avance. À force d'avancer, ça va finir. Les pleurs là vont finir seuls. Parce que le corps, c'est contrôlable. Hein. Le corps, c'est là. Comment dire que petite colline, tu n'es rien. Petit corps, tu n'es rien. C'est toi qui commandes ton corps, ma chérie. Corps, je te commande. Je te commande. Et j'ai bien dit tout à l'heure que parfois tu crois que tu es amoureuse parce qu'il y a des parties de toi que tu ne connais pas. On t'a pas encore parlé de toi. On t'a pas encore parlé de toi. Et faites attention qui vous écoutez. Parce que toute version de toi qu'on te dit tu acceptes est vraie, ma chérie. C'est très dangereux. Hein? Le jour où j'ai... C'est dangereux. Ça veut dire que je peux venir te dire cela que ah, c'est impossible de couper les liens d'âme, hein, vraiment, ma chérie. Vraiment, comme c'est déjà attaché là, il faut seulement espérer que peut-être Dieu veuille. Tu écoutes ça, tu dis, ah! Ouais, donc je peux pas me détacher de Jean-Jacques. Hé, Jean-Marc. Te voilà. Si tu es dépressif, hein, ma chérie, ton désir de sortir n'est pas encore aussi plus fort que ton désir de rester là où tu es. Ta souffrance ne t'a pas encore. Pourquoi tu sors de la dépression? Ta souffrance doit être plus forte. Je dis toujours que tu es pauvre parce que tu as encore été fatigué de la pauvreté. Tu tolères encore la pauvreté. Vous vivez encore, vous êtes colocataire. Hey poverty, how are you? Ah, I'm fine. No, I'm brushing my teeth. Oh, how far now? Yeah, I'm coming. I'll be having lunch with you. Tu dis poverty, you're coming out of my house today. Tu sors de ma vie aujourd'hui. Je ne serai plus pauvre dans ma vie. C'est une décision. Tu t'approches, quelqu'un commence à dire que ouais, c'est trop cher. Ah, ça c'est. Elle exagère. Vraiment, comment elle peut vendre ça? Speedy Gonzalez, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Moi, je suis parti. Je ne suis pas là pour écouter tes plaintes. L'argent est relatif. Ce que tu trouves cher. Ce que tu trouves cher. Oh! Il y a quelque chose dans mon énergie ce soir. C'est comme si, je sais pas. C'est comme si mon ange est en train de le libérer mes ailes encore plus. Tu dois vouloir la richesse. Plus que la relation. Plus que la dépression. Plus que l'opinion des gens. Tout ce que je veux, mon argent. Tout ce que je veux, mon argent. Tu es comme ça. Alors tu sais, je vous ai dit, c'est là que tout ce que vous laissez qu'on vous dise, ça vous affecte. Pense au loyer que tu payes. Ajoute 2 zéros sur ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans ta ville qui payent ce loyer-là par mois? Tu veux les accompagner? Hein?
La voiture que tu as achetée à 5 000 euros là, il y a les gens qui ont 50 000 euros de voiture. Ça coûte 50, certains 150. Ce ne sont pas les êtres humains comme toi. Hein? Parce que toi, attends, lundi, dis un peu à une de tes amies ou bien à ton mari que tu es en train de partir chez Ferrari. Tu ne sais même pas là où Ferrari se trouve dans ta ville. Dis-leur que tu pars chez Ferrari pour regarder, ou chez Range Rover, pour savoir combien coûte la dernière Range Rover de 2023. Tu pars là-bas faire quoi? C'est maintenant tous les riches que tu vas acheter. Hein? Mamie, tu avais la mauvaise personne. Il te dit, moi, cash. Que ho-ha. Surtout si tu veux devenir riche. Ah, tu ne vends rien. Je suis désolée, ma chérie. Je ne parle pas avec les gens qui sont pauvres. Je ne soigne pas les pauvres. Les pauvres ne sont pas mes clients. Quand un pauvre regarde mon direct, il commente. Parfois, je le bloque moi. Parce que je n'aime pas lire les commentaires des pauvres. Je suis désolée. Peut-être que tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma page. Je bloque les gens en passant. Parfois, je bloque les gens. Ok? Voilà. Surtout ceux qui aiment la pauvreté. Surtout ceux qui aiment la pauvreté. Il y a les pauvres qui aiment la pauvreté. Il y a les pauvres qui aiment la richesse et qui sont en train de devenir riches. Il y a les riches qui sont des riches. Mes produits sont. Je ne vends pas les produits moins chers. C'est un choix. C'est un choix. Parce que j'ai décidé en ligne que je ne vais pas traiter avec les pauvres. Dans ta ville, ma chérie, quelqu'un paye le loyer 2 millions par mois. 20 000 te dépassent. Te dépasse. Tu as tapé la connexion comme ça, tu tapotes parce que tu veux que tes 500 que tu as mis là, tu as peur que ça finisse. Vous n'êtes pas venu accompagner les gens sur la terre. Vous me suivez? Ça demande de la niaque. Ça demande le courage. Ça demande le courage. J'ai dit que ça demande quoi? Tu crois qu'en te mettant, tu peux t'asseoir dans la réception de Range Rover. Tu sais que pour le moment, dans mon compte, je n'ai que peut-être 500 euros. La Range Rover, c'est peut-être 65 000 euros. Ce n'est pas le courage. Hein? Tu demandes même si tu peux t'asseoir à l'intérieur. Tu t'assois, tu touches, tu appuies les manettes, tu fais les boulons. Tu te demandes un peu, ça fait un grrr, tu écoutes le moteur, tu appuies l'accélérateur, ça fait roux, roux, roux. Tu dis, whoop! Oh Seigneur! This is melody to my ears. This is, oh my gosh! Oh, les bonnes choses! Capoum! Vous me suivez? L'argent est bien. L'argent enlève l'aigreur. Les gens aigris, c'est les gens pauvres. Bonsoir, Kataleya. Les gens aigris sont pauvres. Ils sont aigris. Tu vois qu'arrive le pays chanteur. Tu viens, tu le bats même la route. Il attend, tu passes. Après, il continue d'avancer. Il n'a pas le temps pour se chamailler. There's no time. There's no time. Écoutez, ma chérie, tu seras riche cette année. Je ne parle pas seulement pour parler. Je vous en prie. Quand vous devenez riche, venez témoigner si les gens voient. Je veux que vous soyez riche, c'est votre argent. Les affaires de mari riche là, c'est ce que c'est que d'aller demander tout le temps à quelqu'un. C'est vrai que les gens ça les dérange pas. Deux contrats en 2 semaines, voilà le témoignage. Oui,
maman. Et elle est pauvre sur TikTok jusqu'à. Hey, TikTok, oh, mon gars, oh. La richesse ne fait pas beaucoup de bruit. Hein. Quand tu es riche, tu ne parles pas de toi. On parle de toi. Jocelyne est devenue riche. Hein? Faustin est devenue riche. Est-ce qu'elle nous calcule encore? Ce n'est pas toi qui parles, dit que tu es riche. Tu ne dis pas je suis porteuse. Non. En fait, la richesse, tu deviens comme un ballon. Tu flottes. Tu arrives quelque part, c'est combien? Ah, j'ai horreur quand je demande à quelqu'un quelque part que le prix de quelque chose, je me dis que c'est cher. Il dit, mais on t'a mis ici pour que tu vendes ton produit, non? Après, quand il te dit le cher, là, c'est en fonction de sa pauvreté qu'il te dit ça. Hein. Oh, madame, c'est cher. C'est 70 000. Je dis, ben, vraiment. Je demande que. Je prends 10. La richesse ne fait pas le bruit. La richesse, en fait, tu sais que ton futur est bien. Un gars pas, tu sais que demain je. Hey, Seigneur, les femmes, c'est là. Sortez de la pauvreté, sortez de la pauvreté. Le signe. Il y a même les gens que tu ne veux même pas leur parler. Tu les appelles. Comment tu vas? Mamie, il sait que tu ne voulais pas l'appeler. Toi-même, tu es mal à l'aise de l'appeler. Parce que c'est qu'après, tu vas demander qu'il te réduise 25% sur le prix de quelque chose. Tu connais quelle quantité d'énergie tu dépenses au téléphone avec lui? Hein? Tu sais quelle quantité d'énergie tu dépenses avec cet homme-là? Parce que tu sais que non, il va me draguer après. Je sais qu'il me drague. Mais comme il travaille chez Air France, et il peut m'avoir les billets à la dernière minute pour partir au Cameroun. Ma chérie, sors tes 2500 euros, tu payes ton billet. Oh! Moi, je travaille toujours dans les boulots qui me prennent beaucoup de temps, mais on ne me paye pas assez. Tu viens te plaindre chez qui ici? On ne pleure pas ici, hein? Maman, laisse-moi le gars là, je t'en prie. Écoute, à partir de ce soir, paye ce dont tu as besoin. Paye cash en avance. Les petits élèves vont commencer à pousser sur toi et c'est comme ça. Je dis que hey, j'ai des ailes. Pour ça. Hey! Hey! La femme l'a dit vrai. Tu commences à essayer de t'envoler. Tu vois ça là? Tu vois ça là? Tu vois ça là? Yeah. Yeah. Deuxième étape. Aha! Marianne m'a retrouvé. Hey! J'aurais lui écrit sur WhatsApp. Paye cash et en avance. Deuxième chose, n'écoute pas les gens qui vont te dire. Dès que quelqu'un prononce le mot cher, ne l'appelle plus. Il dit que ne l'appelle plus. Lulu, mon éducation n'est pas gratuite. J'ai mes followers. Quand il finit, là, je n'ai pas besoin de dire qu'offrande ou quoi que ce soit. J'ai fini comme ça, là, j'ai les dépôts dans mon téléphone. Donc, comme je parle comme ça, là,
Vous venez piocher, vous piochez comme ça, là, vous faites le Ndormangolo. Dès que j'ai fini, l'univers me paye, ma chérie. C'est pas gratuit. Fuyez. Tous les gens qui me suivent, vous connaissez. Mes gens que j'ai dans mes groupes WhatsApp. Actuellement, on a fait 40 jours de jeûne. Tous les jours, je leur ai dit qu'ils doivent faire les offrandes tous les jours. Sois l'argent tous les jours. Tu vois pas comment on va commencer à te poursuivre pour te payer tous les jours. Ah, vous voulez mon numéro de dépôt Orange? Orange, c'est 655 31 07 50. 655 31 07 50. MTN, c'est le 680 71 07 01. Le 655, le nom, c'est AB Solo. Le 680 71 07 01. Le nom, c'est Valérie. Ceux qui sont au Gabon, le numéro, c'est quoi? 074 18 00 80. Et le nom, c'est Jocelyne. Les hommes disent que tu es hautaine et imbu de ta personne. Tu ris parce que tu sors ton argent pour faire ta chose. Tu ne paies pas le nord. Oh, ça fait du bien. Le PayPal. PayPal, c'est Aurélie. Aurélie Michel. Donc A-U-R-E-L-I-E. M-I-C-H-E-L-L-E. 2017. Donc Aurélie Michel 2017@gmail.com. Et ça s'affiche en livres sterling. Si tu payes par PayPal. Parfois dans mon direct, comme ça, je m'arrête. Comme ça, les petits les gens qui ont volé la connexion là vont partir. Parce que dès que je commence à. C'est A-U, pas O. Donc Aurélie. A-U. A-U-R-E. Quand je commence à donner mon numéro de téléphone pour m'envoyer l'argent, les gens qui ont volé la connexion fuient. Ils fuient. Marius, tu as réussi ton voyage. C'est super ça. Chichi Nana, tu me dis, y a-t-il deux reines mères? Celle avait la demi-dent. Je te bloque. Tu as compris? J'ai arrangé ma dent depuis longtemps. Tu ne me connais pas, ça veut dire que tu ne me suis pas. Donc tu ne m'aides pas. Tu me sers à rien. Bye. Merci beaucoup. Tu arrives quelque part, on te donne quelque chose de gratuit, tu demandes qu'on paye où? Quitter sur le gratuit. On paye où? Excusez-moi madame, mais pourquoi il y a des trucs à l'entrée ici gratuit? Partez au mariage des gens sans payer, pas de cadeaux, rien, tu peux manger la nourriture. Voilà comment tu t'appauvris tous les jours. Tu prends les astuces sur TikTok tous les jours, astuce, 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 ça ne marche pas, ça ne marche pas. Les pauvres aiment le gratuit, maman. Cheese sauce. En tout cas, continuons notre direct. Faites l'effort de contrôler les gens avec lesquels vous parlez le plus. Écoutez, s'ils n'ont pas l'argent plus que eux, arrêtez de parler avec eux. Ça, c'est le test d'acide. S'ils n'ont pas l'argent plus que vous, hein, arrêtez de parler avec eux. Je sais que sur l'autre, c'est là, beaucoup de personnes ont quitté sur mon direct. Quittez, partez, bye. 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 Écoutez, ma chérie, même si vous ne parlez pas d'argent, le pauvre a une façon de réfléchir. Le pauvre a sa façon de réfléchir. Kohoha. C'est pour ça qu'elle veut les conseils. Je dépense ce qu'il faut. Je paye quelqu'un qui est financièrement au-dessus de moi. Je précise encore financièrement. Quelqu'un peut être au même niveau que toi ou en dessous. Il fait ses cauchemars. Ses cauchemars, c'est qu'il y a un serpent noir qui vient pour le manger la nuit. Tu connais les cauchemars du riche, non? Les cauchemars du riche, c'est genre, oh, mon conteneur est tombé. Ouh.
où ma plantation de 50 hectares? Où? C'est ça. Le pauvre va. Quand le pauvre t'interprète quelque chose, mamie. Oh, je suis sûr que. Ha, hey. Tu écoutes sa part, tu dis que. Yay. La situation, c'est simple, non? Pourquoi tu peux interpréter ta part, ça sort que bizarre? Hein? Non, celui qui voulait prendre la femme dans la sorcellerie, hein, il passe 2 heures de temps au téléphone. Donc tu n'as rien à faire. Rien. Écoutez, arrêtez de parler avec les gens qui sont plus pauvres que vous. Si vous n'en avez pas, quand vous coupez le temps que vous passez avec eux là, allez en ligne sur YouTube, écoutez les gens qui ont l'argent. Remplissez vos têtes de leurs idées. Leurs interprétations sont toujours compliquées. Ah non, tu sais, vraiment, parce que moi je pense que le pauvre aime dire sa pensée. Alors que ça ne donne rien. Alors que la pensée qu'il a là, ça ne donne rien. Mais il aime dire. Et le riche ne parle que quand on lui a. Écoutez, si vous me rencontrez physiquement, je parle très peu. Je parle très peu. Tu arrives devant moi, même quand tu viens en consultation. Si ton esprit n'est pas ouvert pour écouter ce que j'ai à dire. Et te regarde, te regarde, te regarde, te regarde. Parce que souvent, on venait en consultation, on venait bavarder plus que moi, comme si vous voulez venir me conseiller. Il dit qu'en tout cas, c'est ton âme qui passe, non. C'est moi un problème. Quand mes 30 minutes arrivent là, il te dégage. Tu me payes pour venir me parler. Pour venir me conseiller. Hein? C'est toi qui as pris la consultation, non? N'est-ce pas? Le pauvre se frustre très vite. Plus tu vas monter en énergie, ma chérie. Toi-même, tu vas voir qu'il y a certaines habitudes là que tu as laissées. Le riche peut laisser un truc passer facilement. Non, je dois aller récupérer. Voilà, tu te sépares de quelqu'un, tu vas aller récupérer ton câble, ton chargeur de 5 000 que tu as laissé chez lui. Tu es folle. Hein? Non, c'était un chargeur Jumi. C'était vraiment un chargeur d'origine. Hein. Mamie, tu as acheté même 10 chargeurs de 1 000 francs. Ça se gâte, tu mets l'autre. Ça se gâte, tu mets l'autre. Bonjour, nous soutenons les orphelins d'Afrique. Joignez-vous à nous. Aïe. Mathe ministre. Tu viens à mon direct la première fois, tout ce que tu viens de me dire, ça c'est l'escroquerie, hein, je te dis. Moi, j'aime pas trop. Mais il faut partir ailleurs, aller ailleurs, faire la publicité. Moi, je soutiens les orphelins de l'orphelinat Cœur de Jésus. Fais très attention. Je vous ai dit ce matin dans le direct. On peut se reprogrammer. Ah, je vais, tu vois tes émotions là, non? Tu vois tes émotions là que. Oh, il m'a quitté. C'est fini entre nous. Je vais faire comment sans lui? J'aimais quand il me faisait l'amour. Tu peux te reprogrammer toi-même. Je suis une belle femme. Je suis une femme de valeur. Je te regarde dans le miroir. Je suis fière de moi. Je suis puissante. Accompli de grandes choses. Je suis restauré, je suis milliardaire. Des femmes viennent à moi des quatre coins de la terre pour être coachées, pour être restaurées.
J'organise de grands événements pendant lesquels les personnes sont guéries, restaurées, pendant lesquels les personnes sont transformées, les destinées sont transformées. Je parle avec élégance, avec éloquence. Oui. Et tu vois un peu comment tu swings, comme ça tu tournes un peu ta robe dans le rêve, comme ça tu te visualises. J'ai dans mon compte en espèces la somme de 2 millions de dollars. Oui. Ma banque me fait un message. Your balance is 1 900 000 dollars. Oui. On se programme, ma chérie. C'est toi qui as laissé tous les jours que ta confiance vienne de cet homme-là. Donc maintenant, comme tu veux reprendre ta main, tu veux reprendre la main, tu dois te reprogrammer. Reprogrammer, ma chérie. Oui. Tu dois te reprogrammer. Waouh, à minuit, on va s'arrêter. Hein. On va faire une petite pause. À l'odeur des personnes qui sont en train de regarder le direct samedi à minuit. Et qui veulent tellement réussir qu'ils ne partent pas dormir. Allez, on va faire des déclarations ensemble. On va entrer à minuit là. On va entrer ensemble là-dedans. Allons-y. Fermez les yeux. Imaginez-vous à la banque en train de retirer de l'argent et vous demandez d'abord le solde de votre compte. Vous demandez le solde de votre compte. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y. 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 Quand vous demandez le solde de votre compte, on dit, madame, vous avez, en France CFA, vous avez 70 millions. Voilà la sensation que ça fait. Inspire-moi ça. Et on va relâcher la peur. Ouvrez la bouche. Dis, enfin, je suis riche. Sens la chaleur dans ta poitrine. La chaleur dans ta poitrine. Tu ne vas plus manquer d'argent. Tu pourras voyager comme tu veux. Tu pourras aller là où tu veux. Tu vas acheter tes terrains. Tu pourras aller exactement là où tu veux. Donc, on va inspirer à nouveau. Inspirez. Inspirez-moi ça. Inspirez. Allez-y. Inspirez l'abondance. Et vous expirez par la bouche. Expirez toute la peur là, ça sortir de la poitrine, sortez ça, sortez-moi tout ça. Et là, la banquière, le directeur de la banque vous a invité dans son bureau. Vous arrivez au top, top là, le top, le directeur vraiment de toute la banque. Parce que tu as 900 millions de francs CFA dans ton compte. Il dit, madame, on doit vous voir parce que voilà, on doit faire des placements. Alors il dit, madame, nous avons remarqué que vous avez un solde de 950 millions de francs CFA depuis déjà quelques mois, madame. Voilà, ça, parfois ça va à 1 million, 1 milliard 6. Voilà, voilà madame. Oui, nous voulons vous dire que nous sommes vraiment vos amis. Voilà, cette banque est votre maison, vous savez, madame. C'est votre maison ici, madame. Appelez-moi quand vous voulez, madame. Et là, tu ris. La reine Justine avait dit la fessée. Allez, riez un peu avec moi. Et là, vous lui dites, je vais réfléchir. Je vais voir. On n'a pas la rage, ma chérie. L'argent ne vient pas par la rage. L'argent vient par la douceur. Tu dois accepter que tu mérites l'argent. Accepte que tu mérites l'argent. Non, je veux l'argent. Accepte. Allez-y.
On va inspirer à nouveau. Quand on inspire, je veux que tu laisses que l'argent entre dans tout ton corps, tes bras, tes avant-bras, ta poitrine, ton cou. Allez-y. Oh, la sensation d'argent. Oh. Tu pars dans les étoiles, les hôtels 5 étoiles. Tu payes avec ta carte. C'est toi-même qui payes. Oh. Un peu un homme qui a payé pour toi, mamie. Le goût de ça. Le goût de ça. Quand j'aurai l'argent, non, j'ai déjà l'argent. Je ferai ce que je veux. On ne te force plus que couchons ensemble aujourd'hui parce que tu sais que demain il doit payer des coûts de telle chose. Te voilà sur le lit, tu ne sens même pas, tu n'as même pas envie. Mais tu fais parce que si tu ne fais pas demain, il ne va pas te donner l'argent. C'est fini, ma chérie. Les jours où tu faisais parce qu'on te forçait là, c'est fini. Tu ne veux pas, tu dis je ne veux pas. Je ne veux pas. Il se fâche même, tu pas dormir dans notre appartement, tu le laisses là-bas. Reprends la puissance de ta vie. Oui. Mon argent dérange beaucoup les gens. Ne vous dérangez pas. J'ai l'argent et je rends les gens riches. C'est ça qui me plaît. Je suis même jamais partie aux États-Unis. Je ne comprends pas comment le monsieur dit qu'il m'a vu aux États-Unis. Je suis jamais partie aux États-Unis. Ne vous dérangez pas, ne l'insultez pas. J'ai à bloquer. Si vous pensez qu'il parle, il dit la vérité, vous pouvez partir, je vous en prie. Je vous prie. Je me sens trop bien. Je sens qu'il y a encore notre quelques millions vont entrer demain. Je vous en prie. Il est pauvre. La pauvreté. Écoutez, quand tu as l'argent, quelqu'un t'insulte, tu ne peux même pas répondre. Ça, c'est encore un autre truc que vous devez comprendre. Hein, mamie? Quand tu as l'argent, un truc négatif ne peut pas sortir de ton corps parce que. Pardonne-leur, ils sont pauvres. Quelqu'un t'insulte, tu le regardes seulement comme ça là. Parce que tu penses à ton argent qui est là, ton compte bancaire. Tu penses à ce que tu vas faire avec l'argent tout à l'heure là. Tu penses moi, tu vas bien manger tout à l'heure. Tu vas te coucher quelque part où ça chauffe bien même là. Ou bien quelque part où c'est bien froid pendant que les gens sont sous la chaleur là-bas à Douala. Tu vas entrer dans les trous avec la voiture. Ça va faire comme si tu étais sur le matelas. Oh gosh, this is good. Oh my god. Tu ne peux pas les insulter. Tu me suis, mamie. L'argent, c'est une sensation. L'argent, c'est une sensation. Oh my gosh. Donc, tu penses que tu n'as pas les ennemis? J'ai les ennemis, je sais, ça ne me dérange pas. Faites votre rôle, soyez mes ennemis. Allez dans la salle d'attente. Il n'y a pas de clim dans la salle d'attente, il n'y a pas de chauffage. Donc peu importe le pays là où tu es, soit le froid va te tuer, soit la chaleur va te tuer. Va dans la salle d'attente de mes ennemis. Oui. Soyez zen. Tu m'insultes parce que ça ne change pas mon argent. Hein? Pourquoi pourquoi? Parfois vous prenez trop les mots de tête avec les gens, vous voulez bagarrer. Non. Money is good. Je vous ai dit que j'ai lancé là. On a une retraite spirituelle. Je crois que ça va coûter. On avait même dit combien le jour là? 100 000 ou 200 000. Ceux qui se rappellent, dites-moi alors. La dernière semaine d'août. Oui. J'avais dit que combien le jour là? Parce que parfois, je mets les montants des choses. Je sais que c'est 100 000 ou 200 000 qui est dit. Mais quoi, c'est 100 000, je crois. Donc, retraite spirituelle. Donc, vous allez faire vendredi, samedi, dimanche. Le 26, non, le 25, 26 et 27 août. Ok, c'était 100 000 francs. D'accord. J'aurais même dû dire 200 000. Pourquoi j'ai mis seulement 100 000? Bon, si vous voulez payer plus de 100 000, vous payez. Hein, ça ne me dérange pas. Maintenant, ceux qui ne dormiront pas chez moi, vous pouvez toujours aller payer en meublé.
prévoyez dans les 40 000 à Douala. Oui, ceux qui sont à l'étranger, vous payez aussi 100 000. Vous voulez que je donne les réductions? Je ne donne pas les réductions. Ya! Ya! Tom, tom, tom là! Jesus! Ah ouais, tu me dis. Arrêtez de chercher les. Arrêtez, arrêtez. Tu arrives quelque part, on te dit que c'est 100 000. Paye 100 000, tu quittes ça. On dit 300 000. Tu dis que, ok, est-ce que je peux payer en deux fois? Et le jour où tu veux payer en deux fois, là, si tu as l'argent du tout, viens payer le tout. Tu quittes ça. La retraite spirituelle, c'est pour enlever les blocages. On m'a fait beaucoup de méditation. Et j'espère que ma salle sera déjà prête. Je vais faire une salle de déblocage où vous viendrez souvent faire des bains, des méditations, des visualisations. Je vais faire ça à Douala. Je veux parfaire vos déblocages. Je veux parfaire vos déblocages. Je veux que vous manifestiez l'argent. Il y a toujours un degré plus élevé. Oui, moi, je vois les places limitées, Lulu, en passant. Je ne vais pas beaucoup prendre beaucoup de personnes. Parce que vraiment, cet argent. Écoutez, hein, je n'ai pas moins besoin d'argent. Je ne suis pas en train de courir pour dire que c'est sur l'événement-là que je vais construire ma maison. Que je vais. Non. Donc, quand c'est mon nombre de personnes qui veulent là, je ferme moi le reste. Je vous dis que pour tac, non. Donc, ceux qui sont à l'étranger, quand ils font mes événements au Cameroun, généralement, vous savez que vous suivez en ligne. Maintenant, j'ai proposé pour ceux qui sont à l'étranger, réservez déjà dès maintenant une chambre d'hôtel pour 2 nuits. Vous partez là-bas pour cette période-là, vous vous asseyez. Vous achetez les écouteurs. Comme ça, vous allez les mettre dans les oreilles qu'on fera la méditation. Voilà. Donc, je compte vraiment, je compte, ça, c'est la prochaine étape dans laquelle je me lance maintenant. Les traitements holistiques, là, you know. On doit débloquer chaque partie de votre corps. L'énergie doit couler. L'argent doit couler. Money must flow. Écrivez, c'est là que money must flow in my body. Money must flow. Et croyez-moi, bientôt je fais les événements là, je mettrai 300 000. Jusqu'à une blague bas. Oui, 300 000. Tu payes. Tu ne veux pas, tu laisses. Mais c'est que comme tu me payes 300 000 comme ça, là, tu vas partir. Maximum dans un mois ou 2 mois, tu vas m'appeler pour dire que j'ai 5 millions qui rentrent dans mon compte. Dépenser comme des capitalistes. Oui, tu peux payer par PayPal. Si tu payes par PayPal, tu fais une capture d'écran, tu envoies juste. Quand j'ai mon nombre de places, je bloque. Le reste, là, ne vous dérangez pas. Parce que tu vas manifester plus d'argent. En partant, moi, le jour, tu vas m'en payer pour la prochaine session. Oui. Ce qui vous bloque, qui nous bloque, c'est l'énergie. Il y a des décisions parfois que quand tu veux faire comme ça, là, tu dis, ah. Une décision à ton cœur fait encore comme ça. Comme ça. Le but, c'est d'enlever les blocages que tu as dans ton corps qui t'empêchent de prendre les décisions, qui empêchent que l'argent vienne à toi. Il faut faire beaucoup de méditation. Beaucoup. Donc, il y aura aussi la cuisine végétalienne. Crudité, je ne suis pas sûre. Mais végétalienne, je veux ça. Qu'on puisse mettre de l'électricité dans notre corps pendant cette période-là. Et je dis toujours, j'offre ce que moi-même j'aurais aimé avoir. Ce sont les choses que généralement je paye les coachs aux États-Unis. Je paye ça généralement à l'étranger pour avoir pour moi à distance. Maintenant, je veux commencer à faire ça en Afrique. Oui, notre énergie et nos pensées. Parfois, tu es là comme ça, tu as encore les blocages du viol que tu as subi quand tu avais 10 ans. C'est là, ça te bloque. Ça cale ton argent. Tu as 45 ans, tu n'arrives pas. Tu pars comme ça dans une de ces séances-là, comme ça. On dépose les pieds sur toi. On fait les trucs, on parle. L'énergie la sort seule, ça fuit. Tu te lèves. Tu vois le monde différemment. Je vous dis toujours que.
À une époque, c'est-à-dire à partir de 2016, j'ai commencé à beaucoup explorer ces parties-là. J'ai commencé à explorer l'acupuncture, les pierres, les cristaux, les appareils. Il y a des appareils qui rééquilibrent l'énergie. Et les massages, toutes ces choses-là. Quand j'expérimentais ça, ça libérait mon énergie. Et ça faisait que je me sentais même plus africaine, je me sentais plus noire. Tu vois, souvent quand tu regardes ça, tu dis que, ah, une africaine, est-ce qu'une africaine peut accomplir déjà les trucs là en Angleterre? Est-ce que ça équilibre ton énergie? Parce que tu as des pensées en toi qui te font croire que, ah, moi je suis seulement, comment une petite fille de Tongan peut faire? Comment? Ça change l'image que tu as de toi. Ça change ton image de toi. Et je suis convaincue que les femmes de l'Afrique, écoutez mesdames, pas les femmes de Mbeng, mais mon target, c'est les femmes de l'Afrique. Vous êtes riches plus que les femmes de Mbeng. Et vous êtes riches en Afrique à partir de l'Afrique. Ça existe. Vous avez du potentiel en Afrique, mais vous ne croyez pas en vous. Donc ce sont ces complexes-là, parce que l'Africain est trop complexé. C'est ça que je compte enlever pendant ces séances-là. Celles qui connaissent ce que je sais, celles qui connaissent, vous saurez et vous viendrez. Quand j'ai fait mes choses maintenant, je suis the right people at the right time. The right people at the right time. That's how it works. The right people at the right time. That's how it works. Voilà. Donc, je vais redonner les numéros de téléphone. Donc, on a PayPal. PayPal, c'est Aurélie. A-U-R-E. A-U, j'ai bien précisé. A-U-R-E-L-I-E. M-I-C-H-L-L-E. 2017@gmail.com. Ça va s'afficher en livre sterling de l'Angleterre. Si ça ne s'affiche pas, c'est que ce n'est pas mon compte. Maintenant, Orange Money, c'est le 655-31-07-50. 651, non, 655, pardon, 31-07-50. MTN, c'est le 680-71-07-01. Orange Money, c'est Abbé Solo. Et MTN Money, c'est Valérie. Et RTL Money pour le Gabon, c'est le 074 18 00 80. L'indicatif de quel pays? Oui, du Gabon. Donc 00241. 074 18 00 80. Voilà. Bonsoir, merci. Donc, je bénis votre soirée. Que ce que vous avez reçu dans ce direct, vous le mettiez en application. Et surtout, je vous donne de la vitesse pour que vous avanciez. Que tout ce qui était ralenti dans votre vie sorte de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Passez une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Donc, on reprend les consultations demain. Je suis un peu plus stable dans ce que je suis en train de faire. Donc, je suis dans un nouvel endroit maintenant. Donc, je reprends les consultations demain. J'ai fait peut-être 4 ou 5 jours sans consulter. Cette semaine était très... It was a hectic week. But I'm all right now. Bonne nuit à vous.